Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, tranquillou. J'attendais que mon téléphone se décharge avant de commencer le live, d'où mon petit retard de 8 minutes. Les 1% ont tenu 8 minutes. Donc aujourd'hui, on sera sur du Drakengard, sur de la quête annexe. Donc au niveau scénario, si vous voulez voir des nouvelles choses au niveau de l'histoire et que vous venez que pour l'histoire de Drakengard, vous pouvez passer votre chemin, il n'y aura aucun passage scénarisé dans ce live. Et donc bah écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. On fonce tout de suite. Et je me trompe de fond de live. Voilà. C'est mieux. Alors attendez, je vais vérifier un truc parce que le son me paraît bien fort dans mes oreilles. Non, c'est bon. Pour vous, ça doit être comme d'habitude. Alors, ça, ce sera pour le prochain live. Et donc, voilà, on était rendu à celle-ci. Donc, les habitants du domaine du désert sont fous du livre pureté. Pourrais-tu m'en amener neuf? Récupérer 9 livres. Le chat n'est pas cadré, effectivement. Tu fais bien de me le dire. Voilà, là, il devrait l'être. Bon, achat d'objets. Alors, est-ce que j'ai des potions? Oui, j'en ai. Que ça fait un moment que j'ai pas livé. Ça fait une petite semaine. Bon, j'ai streamé ce week-end, mais c'était vraiment un stream assez rapide. Il y a des trucs que j'avais pas vu que je pouvais faire. Bon, je sais plus trop. Il va falloir que je me réorganise. Parce que là, ça fait vraiment. Voilà, ça fait une semaine que j'ai pas joué. Et du coup, je ne sais plus trop là où j'étais rendu au niveau des items. Salut Suzaku. D'ailleurs, je salue hein, tous ceux qui sont là. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde sur le chat. Ça fait plaisir. Et donc, oui, cette semaine, j'ai pas fait de live, tout simplement parce que je n'avais pas le temps ni la motivation. Mais il y a des choses qui se font. Comment dire? Il y a des choses qui sont en train de se faire derrière tout ça, là, vous ne le voyez pas. Mais voilà, il va y avoir des nouveautés d'ici un mois ou deux, j'espère. Donc ça va être plutôt cool pour vous, étant donné que grosso modo sur le site, je ne serai plus le seul à live. Il y aura Ay et Maxime Robinet, donc le chroniqueur du fond de l'affaire, et aussi le créateur de Gloctopus, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, je me fais exploser. Donc je leur ai demandé un petit peu ce qu'ils en pensaient. Étant donné que je les côtoie maintenant depuis un petit moment, eh bien, ils ont été d'accord pour me rejoindre sur le site. Maintenant, bah voilà, faut que avec Orion on mette tout ça en place et ça va demander pas mal de temps. Donc ça, c'est une quête un peu comme, bah, c'est exactement la même quête que avec le truc, avec les livres que je devais ramasser dans l'endroit où il y avait de la brume. Il reste que les quêtes annexes et le DLC de zéro. Alors non, il reste les quêtes annexes, le DLC de zéro et le verset D. Le verset oublié donc. Donc là, je me suis fait éclater quand même. C'est vrai que c'est un peu dur de reprendre comme ça après une semaine de pause. Mais bon, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Là, j'étais pas très concentré aussi, j'étais plutôt un petit peu excité de vous dire toutes les nouvelles qui sont en train d'arriver sur le site. Donc voilà, j'espère que vous êtes content de cette nouvelle parce que bon, à la base, moi, c'est ce que je voulais faire, hein. C'est pas pour rien que la chaîne s'appelle Gamer City. C'était vraiment pour que du monde partage sa passion comme moi, quoi. Et donc voilà, il y a des gens que j'apprécie vraiment, qui me font confiance là pour partir avec moi sur ce projet.
Et je vous avoue que j'ai un peu la pression parce que j'ai quand même peur qu'on ait des problèmes sur le site, etc. Donc je veux vraiment que tout soit parfait au démarrage. Je veux pas qu'on fasse un faux départ. Et voilà, ça risque d'être vraiment cool. Alors vous entendez peut-être que ma voix est un petit peu différente, hein, c'est juste que je suis un petit peu malade aussi. J'ai la gorge qui part en couille. Ça doit pas trop s'entendre, je pense, enfin, je sais pas. Et salut Audrey. Allez. J'ai pas de livre à récupérer là. Allez, on y est presque. Allez, donnez-moi-en là. Oh putain, ils vont être où les deux autres? Ah, on y était presque là. C'est pas évident, mais bon. C'est la même technique qu'avec l'autre niveau, hein. Il faut faire exploser les types avec leurs bombes. Mais je pense que c'est les wizards là, ils ont l'air d'avoir tout le temps des livres. Salut Mangal. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué le pourquoi du comment, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fond qui sont en train de se préparer. Ça demande du temps et voilà, donc j'espère que cette semaine, je ferai un petit peu plus de live parce que ça m'embête vraiment de casser le rythme qu'on avait de faire un petit live d'une heure ou de deux heures, ça dépendait des jours, mais voilà, un live d'une heure ou de deux heures par jour. Et puis ça me manque aussi à moi. Je fais ça avant tout. C'est vrai que c'est un peu mal de dire ça comme ça, mais c'est vrai que je fais ça avant tout pour moi parce que j'aime faire ce que je fais. Hop. Et donc voilà, effectivement, j'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo cette semaine aussi. Hop. À part sur mon téléphone, quoi. Allez, hop. Très bien. Donc là, j'aimerais bien ramasser l'énergie qu'il y a là-bas. Ça va être compliqué, là. Aïe. Allez, on va essayer de se faire cela. Ils sont où les autres sorciers là? Là-bas, voilà, en 10 secondes j'y arriverai pas, à moins que j'en ai deux d'un coup là, ça serait nickel. J'en ai eu aucun. Ah, il n'y en avait pas d'autres? Non, on y est presque. Il est plus simple que l'autre qui était dans le merde. Dans le niveau avec la brume, là, dans la forêt. Faudrait que tu commences par les wizards, peut-être. Peut-être, ouais.
Après, c'est vrai que c'est quand même un sacré bordel là. Je suis pas spécialement concentré sur ce que je fais, hein, pour être franc avec vous. Allez, on va essayer la technique d'Ayato, d'aller sur les wizards direct. Voilà, hop, on en a un. Ah bah tu sais téléporté où? Où est-ce qu'il est l'autre? Il est là-bas. Non! Foiré! Voilà, un deuxième. Je crois qu'il y a un wizard là-bas. Allez, vite! Il va se téléporter là. Aïe, ça. Putain, je vais pas crever là. Voilà. Bon. Ouais. On va aller taper le wizard qui est tout là-bas. On va faire ça en speed. Allez. Aïe, ça fait mal. Vite, faut se barrer. Putain, je suis mort. Faut chier. Et salut, Sin. Sin is jacked. Bon, tu l'es. Ça s'écrit pas exactement pareil, mais. Mais bon, pour ceux qui ont compris, c'est pour Final Fantasy X que j'ai dit ça. Salut KR Logan, je crois que je t'ai pas dit bonjour, excuse-moi. Je n'avais pas vu que t'étais là. Allez, on va y arriver. En tout cas, la technique d'Ayato avait l'air fonctionnelle. On va essayer de rester comme ça. Voilà, on va sur les wizards. Aïe, ça fait mal, ça brûle. D'où l'autre wizard? Non, pars pas! Putain, t'as pas le droit de faire ça. Putain! Ah putain! D'accord. Merci d'être venu, hein. Je suis mort en 2 secondes. Ah bah là, c'est moins facile qu'avant, Audrey. Parce que maintenant vous êtes de plus en plus nombreux. On n'est pas non plus 50, mais bon. Allez. Allez, un petit dash. Allez, l'autre là il est là-bas, il vient de se téléporter, on y croit. Voilà, le deuxième. Oh toi, t'es pas apparu au bon endroit. Oh putain, enfoiré. Il venait de réapparaître, il se téléporte déjà, quoi. 3. 4. Ils sont où? Un peu de gentil. J'essaie d'en tuer un max là pour pouvoir me transformer. Pour pouvoir les buter rapidement après. Allez, transforme-toi. Ah, toi, tu vas te téléporter. Toi, tu viens d'arriver. Voilà.
Allez, je peux y arriver. Allez. Il n'y en a pas un livre là. Allez, donnez-moi-en un. Ah oh, putain, mais où est-ce qu'il est le dernier? Là, je commence vraiment le live sur un truc plutôt difficile. Bon, je pense que le live durera peut-être 2 heures, je ne sais pas. Étant donné qu'il nous reste quand même pas mal de quêtes annexes et j'aimerais bien terminer ces quêtes annexes. Mais elles sont vraiment difficiles, donc forcément, je risque de mettre du temps si je galère. Bon, le Cerbère, là, faut vraiment qu'il reste avec moi, parce qu'il peut, m'aider, étant donné qu'il fait des dégâts aux ennemis aussi. Voilà, hop. C'est pas grave, ça c'est pas énorme ces dégâts. C'est pas grave, c'est pas grave, on y croit. Le Cerbère a pris cher là avec la bombe. Ah bah il est mort. Il est mort le Cerbère. Ouf. Ça, ça fait pas du bien. Là, j'en ai moins que tout à l'heure. C'est pas très très bon. À mon avis, c'est râpé là. Wow. Allez, vite, dépêche-toi. Bon, ce qui est bien, c'est que quand je me transforme, le temps ne continue pas de s'écouler. Allez, il n'en reste qu'un seul, bordel. Ah, il était vraiment pas là en plus. Parti en fromage. Pourquoi en fromage? Parce que c'est râpé. Haha, c'est ça le vrai. Allez, on y croit. Donnez-moi votre puissance, j'en ai besoin. Là, je galère vraiment. Carrément, tu vas y arriver. Allez, hop. Il est où l'autre là? Pas mal avec les smiley mangal, ça va très très bien avec l'univers du jeu. Bien vu. Ah, il va se téléporter là. Non, c'est bon. Oh. Non, 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 non. Où est-ce que je suis là? Quoi ce bordel? Aïe. Je sais pas ce qui se passe ici, mais c'est le bordel. Ah, ça c'est classe. J'ai eu les deux. Thank you.
Bon là faut que je tue des ennemis pour que de nouveau apparaissent. Le Cerbère est toujours là, ça c'est plutôt bien. Il va aider un petit peu. Allez, on va le tuer. Transforme-toi s'il te plaît. Allez. Pas de livre là? Ah putain. Oh, en plus je meurs encore. Putain, fais chier. C'est vraiment chaud. Il doit y avoir une autre stratégie. À mon avis, quoi qu'il arrive, je dois buter tout le monde. Maintenant, faut juste le faire dans l'ordre, dans le meilleur ordre possible. Parce que là, le dernier, à chaque fois, il me manque le dernier. Il doit être sur un PNJ bien spécifique qui apparaît à un moment bien précis. C'est un peu galère. Barre-toi ! Voilà, barrez-vous les loups. Là, je fais un peu de la merde, hein. Je ne ramasse pas de livres. Waouh. Je prends terriblement cher. Bon. 6, 7. Allez, toi, tu vas me donner le 8e. Waouh, putain. Non, 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 faut se barrer. Heureusement qu'elle a sauté. Allez, donnez-le moi quoi. Ah, il était vraiment pas là le truc. Oh putain. Il est là. Il est là le dernier. Bordel. Putain, c'est chier. En tout cas, ça se joue à deux doigts. Crasse troll, quoi. On va y arriver. Allez, on garde espoir. Pokémon, hein, ça demande du courage. Essaye de me concentrer sur ces cons avant. Je pense que l'idée de base est pas mauvaise. Faut juste que j'aille beaucoup plus vite. Allez, 4. Tu vas où? T'es où, bâtard? T'es là.
Ah là, vite, on se casse. Ah là, je suis plutôt pas mal là. Hein. Ah, il va s'agir de ne pas déconner. Allez, y a pas un wizard dans le coin là? Y'en a là-bas. Te téléporte pas. Merci. Waouh. Putain, où est-ce qu'il va être le dernier? Allez! Il est là! Il est là! Oh non! Non! Pourquoi? Je l'avais pas vu avant! Oh non! Putain! Je l'avais pas vu! Fais chier! Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Ah, c'était bien joué ça, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Je m'en fous de Cerberus, faut le laisser tranquille. Enfoiré! Oh là là. Là, je fais clairement de la merde. J'ai 3 livres. Oh là là. Ouais. Allez, mais vous pouvez rire hein, du troll du jeu. Hein. Moi, ça me fait pas rire. Je suis bien dégoûté. Et j'assure à tous ceux qui me diront c'est facile. S'il y en a qui le font dans les commentaires YouTube ou qui le pensent, essayez le jeu et vous verrez que ce n'est pas si facile. Wow. Voilà, 5, 6, 7 avec les deux wizards. Ouais, j'aurais pas le temps. À moins d'un miracle, mais... Ça m'étonnerait fort. Ah non, pas le dégager. Ouais, bon. On va y arriver. Et Zero qui est là, tranquille. Tape la pause, fait la belle. Ça fait une demi-heure déjà que je suis sur ce niveau. Vous pensez que je vais y arriver ou pas? Parce que là, c'est quand même chaud. Le courage de la Red Bull. Malheureusement, je n'ai pas de Red Bull ni de Coca. J'ai de l'eau pour ce live. En même temps, avec la chaleur qu'il fait, je me vois mal boire autre chose, personnellement. Allez, le wizard, t'es où? T'es là-bas. Toi
toi avec ta bombe explose, comme ça tu vas faire un peu de ménage. Ah putain. Ah, le Cerbère m'a un petit peu sauvé. Hein. Wow. Voilà, par contre, tu me fais perdre du temps. Ça devient chiant. Voilà, 4 livres. Je suis mauvais là, mais... Ah putain, l'autre il se téléporte. Allez, je ne demande qu'un miracle. S'il vous plaît. Le Cerbère est resté trop longtemps là. Ça aide pas. Ah là, il y a... Ouais, faut vraiment que je me concentre sur les sorciers en premier. Hein, parce que c'est vraiment eux que j'ai du mal à voir. Ah, c'est fort probable, Logan. De toute façon, là, clairement, vu qu'on est à la fin du jeu, je compte ne plus faire de scénario tant qu'il reste des quêtes annexes. Mais c'est hard. C'est pas grave si le bouquin je le ramasse pas tout de suite. L'arène est pas très grande donc de toute manière je repasserai dans ce coin là. Ah putain, je fais n'importe quoi. Non, zéro! Putain, casse-toi! Oh bordel. Tu peux que t'améliorer. Bah non, bah la preuve là, j'ai fait de la merde. Je suis mort en 2 secondes. J'ai tout fait sauf m'améliorer. Et félicitations Mangan hein, pour avoir eu ton code. Tu as le droit maintenant d'écraser des gens. C'est magnifique. Ah non! Allez, avance zéro, s'il te plaît. Voilà. C'est pas grave. Ah, bordel. Ce qui chatouille un petit peu les bombes, hein. Putain, Cerbérus est déjà mort. My friend is dead. Ils sont où là les casse-couilles? Tu t'es téléporté où? Bon, là, on a fait mieux, mais je ne suis pas encore transformé. Ah putain, allez, on se transforme. Allez, est-ce que l'autre wizard va arriver tout de suite ou pas?
Allez, on y croit. Je peux y arriver. Allez, 8. Putain, il est là, il est là, il est là, je crois. Non, il est pas là, putain. Barre-toi, barre-toi. Oui, je l'ai. Oh putain de merde. Eh bien, merci Suzaku, parce que tu as eu raison de bien sentir cet essai. Bon, on monte de niveau, ça fait toujours plaisir à prendre. Putain, ça fait du bien, hein. Quand même 36 minutes pour faire une seule quête. Donc j'espère que la prochaine, on va la faire plus rapidement quand même, hein. Donc les trucs de salaire, c'est des quêtes quotidiennes, donc on les fera peut-être plus tard. Donc il reste 5 quêtes. Nouvelle star, si tu arrives à trouver 3 météorites, je te donnerai une récompense. Donc là, c'est dans les coffres. On croise les doigts. Donc là, les coffres, ça va être encore la course contre la montre. Mais ça va pas être forcément plus difficile. Étant donné qu'il y a eu des quêtes qui sont apparues que j'ai débloquées au fur et à mesure. Je n'ai pas eu toute la liste de quêtes annexes comme ça dès le départ. Donc ça se trouve là ce sera simple. Enfin, j'ai une minute à mon avis, ça va pas être simple. Plus les coffres, je ne vois pas où ils sont, c'est génial. Il y en a un là. Voilà. Allez, on se dépêche, 0. On en a 3 à ouvrir. J'espère que les deux autres sont côte à côte. On n'a pas un là, non. On a un là. Je t'ai vu. Ah putain, les archers vont me faire chier. Dégagez. Je passe. Voilà. Allez, allez, allez. Il est là le coffre. 20 secondes pour l'ouvrir. Je devrais y arriver, hein. Voilà. Ça va. Les doigts dans le nez. Ça fait du bien, ça redonne un petit peu confiance d'avoir une quête facile comme ça. Oui, oui, j'ai vu Suzaku. En fait, je l'ai vu là pendant. À côté de zéro, t'as aussi une flèche qui t'indique quelle direction prendre. Mais je n'avais pas fait gaffe tout de suite. Alors, accord à une quête pour vous, trio de joyaux. Donc, on a débloqué une nouvelle quête annexe. On est après avoir fait celle-ci. Allez, chargement. Donc, trio de joyaux. Donc là, c'est grosso modo la même chose. Mais avec des joyaux qui sont dans les coffres. J'ai la pression. Là, je vais avancer un petit peu mon micro. Déçu trop facile. Non, mais sérieusement. Audrey, tu m'as vu galérer pendant 40 minutes là sur une quête bidon. Parce que j'en réussis une facilement, vous êtes déçus quoi. J'ai l'impression que c'est la même. Ah, peut-être que j'ai moins de temps. Ah bâtard. Ouais, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de temps en ce cas. Ah, pardon. Poussez-vous.
Ah merde, c'est invisible la mur invisible de mes fesses. Ouais, je vais me transformer. Je m'en fous, moi, je suis un fou. Voilà. Allez, dépêche-toi, Zéro. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Ah, oh, bâtard, bâtard, bâtard. Va te faire foutre. Je suis devant le coffre, va te faire foutre. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Oui, j'ai le droit, moi. Voilà, nos rages de mon skill. J'ai quand même eu un peu peur. Bah. Mais non, les doigts dans le nez, Ayato. faut dire ça, c'est mieux. En tout cas, j'espère que le live, pour le moment, vous passez un bon moment, malgré qu'on n'ait pas de scénario pendant ce live, mais moi, je m'amuse bien. Ça défoule. Si tu me rapportes 7 comètes pierre, je te donnerai la gratification que tu devrais apprécier. D'accord, donc ça, c'est peut-être tuer des ennemis. Est-ce que ça va être facile ? Chargement, je t'aime, mais dégage maintenant. Merci. Voilà. Sur cette map que j'apprécie beaucoup. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt. J'espère qu'il va m'en donner 7, lui, parce que là... S'il faut que je... Ah ouais. C'est quoi ça? Sérieusement? C'était gratuit, là. C'était vraiment facile. On va pas se plaindre, hein. On a eu un truc quand même très difficile en début de live. Je ne vais pas me plaindre. En plus, on débloque une nouvelle arme. Et une nouvelle quête encore. Totalité des armes récupérées et dérivation D accessible. Ah. Donc on aura la dérivation D. Toutes les armes. Je suis un beau gosse. C'était un titan joyeux. Tu sors, désolé. tu sors, oui. Effectivement, tu sors. On raconte qu'il y a pas mal d'arches du vieux monde. Blablabla, mes couilles, on s'en fout. D'ailleurs, je vais juste voir vite fait si l'épée que j'utilise en ce moment, donc l'épée de Nier, je peux avoir mieux. Ou pas, on va voir. Donc l'épée de Nier, elle fait combien déjà en dégâts? Elle fait 235. Je dois avoir un truc qui fait mieux. Mais pourquoi celle-ci, je peux pas l'améliorer, je crois. Ah, c'est peut-être un truc en argent qu'il faut. Attendez, je vais en acheter un petit peu. Alors, en argent, on va en acheter 5. Hop. Renforcement d'armes. Épée. Ben non, c'est pas de l'argent qu'il faut. Je sais pas pourquoi je ne peux pas l'améliorer. Peut-être qu'il faut avoir un niveau particulier. Peut-être atteindre un niveau, je sais pas. C'est quand même bizarre. Donc, on avait dit combien pour les dégâts? 235. Donc, ce serait bien d'avoir une arme qui fasse mieux. Et il n'y en a pas. Du coup. Je me demande si celle-ci, si je l'améliore, ça peut être sympa. Allez, on va tenter. Ah, 205, mais là c'est pareil, je ne peux pas l'améliorer.
Bon, voilà. Voilà, on va gaspiller notre argent. J'ai pas d'autre truc avant de faire la prochaine quête annexe. Voilà, on est fou, on gaspille. Faut bien que ça serve. Et salut Skaos, comment vas-tu? Ah effectivement, j'avais pas vu combien de pièces d'or il me restait. Il me restait 95, c'est vrai, rien que je regarde. Donc on est parti pour la prochaine quête annexe. J'espère qu'elle sera simple encore une fois. Parce que j'aime bien quand c'est facile, mais pas trop non plus. Hein. Sinon on s'ennuie. Zero. Bon là, cette fois-ci, c'est la même chose. Sauf qu'il y a des soldats en plus. Ah, il s'est pas pris la bombe. Allez, c'est bon, il est mort. Faut juste que je les ramasse, les trucs. Putain, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième, mec. Il y en a trois, même. What? Ils vont se calmer, oui. Allez. Bah là ouais on avance bien, donc c'est vrai que les DLC et la dérivation D, c'est pour bientôt du coup. Ah mais merde! Allez! Je vais me transformer parce que là, ça va être vraiment chaud. Il est mort, il les a mis où ces trucs? Putain, j'ai pas eu le temps de les ramasser. Ils étaient juste là. Bon, c'est pas grave. C'est plutôt simple, hein. Faut juste que je gère bien. Mais c'est pas super difficile. Donc, faut que je me concentre à fond sur les mecs avec les bombes. Faut que j'essaye de le faire exploser sur le titan. Comme ça, je fais ça les doigts dans le nez en 2 secondes, quoi. Allez, on y croit. Hop, allez, viens là, toi, avec ta bombe. Il est où le mec avec sa bombe, là? Voilà. C'est pas grave, j'ai pris un peu de dégâts. On a survécu. Viens là, avec ta bombe, là. Pourquoi il est parti aussi loin, lui? Putain, j'arrive pas à le cibler. Ah putain, là je perds du temps vraiment bêtement. Parce que le titan n'avait plus de vie, il a réussi à placer une attaque. Bon. Ah là, les deux sont ensemble, ça c'est très bien. Là, j'ai un petit peu peur pour moi.
Voilà, tous les titans sont morts et on a donc les 8 griffes. Nickel. Oui, Morgane, tu devrais arrêter. Les blagues de merde, là. Au bout d'un moment, ça devient gênant. D'ailleurs, petite précision, maintenant sur le site, vous pouvez afficher un avatar sur votre profil. En haut à droite, par exemple, vous avez votre pseudo. Et à gauche, vous avez une image. Ben, vous pouvez afficher donc une image personnalisée. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, c'est une petite nouveauté aussi qui vient d'arriver sur le site. Petit à petit, on prépare vraiment la venue de Hey et de Maxime pour que tout soit nickel. Donc voilà, on débute la mission. Soyons fous, on est des fées fous. Du coup, est-ce qu'on va encore se battre contre des titans là? J'ai même pas regardé l'objectif. Le mec, il s'en bat les couilles, il fait un live, il y met... Quête d'accord, défi de survie. Éliminer les adversaires de chaque round et essayer de rester en vie le plus longtemps possible. Blablabla. Bla bla. Ok. Est-ce que j'ai toutes mes armes? Ah bah voilà! Je l'ai pas vu depuis tout à l'heure, je reste à l'épée, mais j'ai les autres armes. Allez, donnez-moi du fric! Un peu d'énergie, mais... Oui, oui, bah, je me doute bien, mais j'ai pas envie de ramasser les PV. Sérieusement? 80 pièces d'or pour ça? Tenter, hein, d'accord. Hop! Voilà. Dégagez les archers. Vous savez que je vous adore, mais faut pas déconner. Allez. J'arrive, enfoiré. J'aime beaucoup les musiques de ce jeu. Eh bien, figure-toi que tu n'es pas le seul. Hein. Après, c'est vrai que les... En général, les jeux Square, enfin Square, qu'est-ce que je dis? Les jeux, merde, comment il s'appelle déjà ce studio? J'ai un trou de mémoire, c'est horrible. C'est pas Squaresoft, ça a été Square Enix, voilà. Les jeux Square Enix sont quand même vachement soignés au niveau de l'ambiance sonore du jeu. Je connais très peu de jeux Square où il y a... Où, pourquoi je dis encore Square? Où je dis... Ah oui, Square Enix, Square. Bon. Et donc, en général, ils sont plutôt soignés leurs jeux. Au niveau audio. D'ailleurs, moi qui ai détesté les derniers Final Fantasy, là, avec Lightning, j'aime vraiment pas au niveau de l'ambiance et tout, mais par contre, pareil, au niveau du... Les musiques, c'est très agréable à écouter. Ah, il va cracher son feu. Ah non, même pas. Ah ah, tu pensais me niquer, enfoiré. C'est moi qui t'ai eu. Couchez le chien, bâtard. Par contre là, ça me donne que 500 gold. Ce serait bien d'être un petit peu plus généreux. On s'en va le prendre. Il en reste 3, il y avait écrit. Une chose positive, tu n'as pas de temps, c'est vrai. Et c'est très bien. Et je me suis pas encore transformé. Par contre là c'est des chevaliers miel, comme je les appelle. Ah, je vais me transformer pour eux. Oh,
Voilà. Il n'y a plus de soldats. Ça devrait être beaucoup plus simple. On va pas utiliser tous nos trucs. Quoi. Le temps, c'est de l'or. Ah, peut-être que... Ouais, peut-être que c'est ça. Hein. Plus je suis rapide et plus je me fais d'argent. Mais ça m'étonnerait. Là, c'est vrai que je me fais pas des masses. Hein. On a vu mieux dans les DLC. Non, je ne veux pas arrêter là. Donc celui devrait être plutôt simple à vaincre. Je vais attendre qu'il fasse son attaque. Voilà. T'es à poil, mec! Voilà, faut faire attention. Il est en mode titan. Wow. Ah, super le monstre, quoi. Il se casse la gueule. Bon, je pense qu'on va y arriver facilement à ce truc. J'ai toute ma vie. Logiquement, il m'en reste que un à tuer, voire deux. Et en plus de ça, j'ai toute ma transformation, enfin, ma jauge de transformation, tranquille. Donc il n'en reste plus qu'un, c'était écrit. On va le terminer en beauté. Voilà, transformation demandée. Go, go, Power Ranger. C'est magnifique. Oh, t'aurais pu le tuer d'un coup. Hein. Vraiment une feignante, zéro. Oh, il y a des pièces là. Ouais, bon, c'est pas énorme ce qu'il me donne. À mon avis, c'est vraiment une quête. C'est pour ça que c'est facile. Hein, parce que là, ça doit être une quête annexe pour le début du jeu. Et du coup, bon, bah voilà. Étant donné que je suis niveau presque 50 maintenant. Je crois que je suis niveau 45, un truc comme ça. Bah, c'est très facile. Mais bon, au moins c'est fait. Ouais, ça me donne un matériau argent. Donc c'est à peu près au verset 2, quoi. Verset 2, verset 3, que j'ai dû débloquer ce truc-là. Tututum. Deuxième défi. Là, à mon avis, ça va être la même chose. J'aime beaucoup les conseils d'accord, là. 1. Ne compte pas sur tes objets. 2. Ne compte pas sur tes compagnons. Et 3. Ne te plains pas des conseils 1 et 2. Il y avait déjà eu un truc comme ça sur un autre bidule, mais je sais plus trop quoi, mais voilà. Ça me fait toujours rire. Bon. À mon avis, ça va être la même chose. Mais avec des monstres plus difficiles à vaincre. Croise les doigts. Ouais, c'est ça. Un peu, ça va être un peu répétitif pour vous. Mais bon. On n'a pas le choix. Hop, esquivation de la flèche, vous voyez. Voilà, je fais n'importe quoi. Il court et court, le zéro du bois joli. Voilà, lui. Et puis là. Merde. Voilà. Non, 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 me tape pas. Je suis gentil. Raté, t'es trop nul. Tiens. Effectivement, Suzaku, ils servent à rien, les compagnons.
Bon, un peu de fric. C'est un petit peu plus généreux que tout à l'heure. C'est pas non plus la fête, mais... Allez, viens là. Allez, frappe, frappe, frappe. Faut que j'arrête de bouger pour que tu frappes. Hop. Hop là. Ah merde. Ça s'est pas bloqué sur lui. Bon, tant mieux, il va faire son attaque là. Bam. Et là, je fonce. Voilà. Ah, il va faire quoi? Je préfère la lance. Alors d'après vous, est-ce que je vais y arriver à battre les sept monstres du premier coup? Ou pas. Par contre, là, j'avoue que le dernier défi me fait un petit peu peur. Parce que je me dis que le dernier va être forcément ultra hard. Allez. C'est bon. Ça va, en plus ils sont généreux, ils me donnent pas mal de vie. Hop. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que je ramasse la boule bleue à chaque fois qu'il y a au milieu là, mais ça ne me donne pas de vie. Alors à quoi sert-elle? Je ne sais pas. Oh non, pas les trolls. Ils font vraiment mal eux. Putain, je l'ai eu au moment où il m'a touché. J'ai pas eu de chance. Bon. Toi, viens là. Merci, s'il te plaît. Merci. Bim! Allez, on se dépêche avant qu'il remette sa garde. Mais tu vas mourir, oui! Bordel de merde. Caméra qui pète un plomb. Ouais, pareil, moi, les squelettes me font chier parce qu'ils ont vraiment une bonne garde, en fait. Voilà, un boss qu'on avait rencontré, je ne sais plus exactement à quel moment du jeu, mais c'était un boss. Voilà, je devrais y arriver sans trop de difficultés. Voilà, donne-moi de l'énergie que j'ai perdue. Des sous. Il y a du fric. Hop. En tout cas, j'espère vraiment que ce qu'on essaye de mettre en place va faire en sorte de faire venir plus de monde aussi sur le site. Parce que c'est ça le but, hein. Et surtout que le site va beaucoup plus vivre, quand je dis vivre, c'est au niveau des streams. Le fait qu'il n'y ait pas que moi, je pense que ça peut être vraiment aussi sympa pour vous de voir autre chose, une autre manière de faire, parce que je trouve que
Maxime, Hey et moi, on fait la même chose, on parle de la même chose, donc on parle du jeu vidéo, on fait des lives sur le jeu vidéo, mais on a chacun vraiment une manière différente. Et je pense que ça peut être vraiment sympa que ce que l'on fait ne soit pas similaire. Ah, vous verrez. Pour ceux d'ailleurs qui veulent déjà voir un petit peu ce que font les autres, eh bien, Hey, il y a une chaîne Twitch. Donc Hey, c'est H-E-I. Et puis pour Maxime, il me semble que la chaîne de stream, c'est Globtopus sur Twitch. Voilà. Hop. Ah, je me concentre un petit peu. C'est vrai que là, si je perds sur un truc à la con, ça foutrait les boules. Hein. Fais ton truc de merde. Allez, là on l'a. Je ne bouge pas. Voilà. Le fric, le fric, le fric. Ça me fait penser à Fort Boyard à la fin quand Tindra, tête de tigre. Et puis là, il y a toutes les pièces qui tombent. Ça me fait penser à ça. Oh là. Ça va être chiant. Oh, bâtard. Tiens, descends de ton nuage, toi. L'autre sur son cheval, j'aimerais bien le défoncer en 2 secondes là. On va pas tout dépenser. Le reste, ça va être facile. Aïe, ou pas. Hop. D'ailleurs, pour vous dire ça comme ça, hein. En ce moment j'ai un petit peu craqué mon slip au niveau financièrement, donc j'ai pris un nouveau PC dédié, mais bon, ça, je pense que vous l'avez compris, dû au fait que il y a des personnes en plus qui viennent de streamer sur le site, mais j'ai aussi commandé tous les tomes de Dragon Ball, et je pense que dans un mois ou deux je vais commander tous les tomes de Fly. Pour Dragon Ball, en fait, c'est l'édition. Attendez. C'est quoi déjà? C'est Glénat. Donc, c'est la vieille édition que j'avais quand j'étais au collège. Mais pour Fly, je ne prendrai pas l'ancienne édition, je prendrai la nouvelle qui a les noms japonais et une meilleure traduction. Enfin, voilà. Petite anecdote, truc que je m'achète en ce moment. C'est mon petit plaisir du moment de m'acheter les mangas de mon enfance en bouquin. Alors pour le moment, c'est vrai que j'ai pas trouvé le temps de les lire. Mais je sais que voilà, si un jour il me reprend l'envie de les lire, et ben ils seront là. Je ne lirai pas des scans sur mon PC. Allez. Dernière quête peut-être là, on va voir. Du coup, 1h10, ouais, ça va. Je pensais que j'allais mettre beaucoup plus de temps. Et vu que les quêtes sont simples, il n'y a que la première en fait où j'ai vraiment eu du mal, j'ai mis 40 minutes dessus, mais le reste, on le fait les yeux bandés. Hein. Allez, troisième défi. Là, à mon avis... Ça va être très très chaud.
Chargement, dégage, s'il te plaît, bâtard. Merci. Waouh, waouh, waouh. Voilà, déjà, dégage l'archer. Allez, là, faut que je m'occupe des archers tout de suite. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore des archers? Je n'en vois plus. Hop, on prend notre temps. Il n'y a pas de chrono. Voilà. Là, le but, c'est de faire des petits dégâts. Et surtout, de ne pas en prendre. Ah bah là, j'en ai pris des masses. Des masses et des masses encore, putain de merde. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais what? Hé hey! Mais allez vous faire foutre. Aïe! J'ai mal. Putain, mais... Bordel. Ça coûte pas des masses. J'en ai eu à peu près pour 115 euros sur eBay, sur une vente aux enchères. Par contre, les fly, il y en a au moins pour 240 euros. Parce que c'est la nouvelle édition que je veux et forcément, ça coûte plus cher. Hein, je pense que je vais crever, hein, clairement. On va tenter le tout pour le tout. J'ai fait le con au premier combat. Cette mort quoi. Ah tu crois que c'est une blague Ayato, ce qu'il a dit Mangal? Je ne sais pas. C'est une blague, elle est vraiment nulle. D'ailleurs, en parlant de blague, je vais ouvrir ma fenêtre. Voilà, c'est pas une blague. Il fait chaud, bordel de merde. Voilà. Alors, je fais beaucoup de bruit quand je me lève, c'est parce que y a des bonbons à côté de moi. Il y a des boîtes de chocolat, de Mars et tout. Donc forcément, ça fait du bruit. Allez, hop. C'est des. J'ai des dragibus, Ayato. Wow, cette esquive, c'était magnifique. Ah, je me suis pris une flèche là, enfoiré. Aïe, ce coup d'épée. Bon, on va tenter. Eux sont vraiment chiants quoi. J'ai peut-être une technique mais il va falloir que je change d'arme. De lance en fait. Je veux une lance avec le coup mitraillette là. Ah là 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 là. Ah non, j'ai pas de célébration. On va dire que je mange rarement du chocolat quand il fait très chaud. C'est vrai que là j'ai des Mars, c'est un peu contradictoire ce que je vous dis. Mais pour le moment les Mars j'y ai pas touché en fait, je les ai juste achetés. Parce que je me suis dit tiens les Mars ça pourrait être sympa. J'en ai pas bouffé. Oh là là, je vais encore mourir. Je vais mourir. En tout cas, un combat, 3600 gold. C'est pas dégueu.
Oh ouais, cours à où tu veux toi, mais pas sur moi. Bah oui, c'est tellement plus simple de lui foncer dedans. Objectif non atteint. Non. Bon, on va retourner au menu des chapitres et on va prendre une autre lance qui fera un peu moins de dégâts. Mais je pense que grâce à son attaque, j'en prendrai moins aussi parce que je serai plus loin de mes adversaires. Retour au menu principal. Non. Tu prends ça et tu fais changer d'arme. Voilà. Alors par contre, c'était quelle arme ? Celle-ci est niveau 4, elle fait 336. J'ai quoi d'autre niveau 4? Celle-là 368. Il y a là de la gueule en plus. On va essayer, on va voir. De toute façon, on n'a rien à perdre. Ne serait-ce qu'un peu de temps. On garde espoir, on garde espoir. Allez. Hop. Déjà un archer en moins. Ah bâtard, il m'a touché. D'accord, là j'ai pu le saut, l'attaque rodéo là, on va l'appeler comme ça. Ah putain, voilà. Là je fais vraiment de la merde. Non mais j'ai compris ce que je dois faire, mais je ne le fais pas parce que je suis débile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je remplisse ma jauge rapidement et me transformer. Faut pas que je conserve mes transformations pour les prochains monstres. Bon, j'aimerais juste voir est-ce que j'ai mon attaque. Ouais, je l'ai. Bon là, je vais me faire éclater, hein. Je vais encore perdre. Maintenant, je sais à peu près comment je vais me débrouiller. Au moins que là j'y arrive par pure chance, ce serait génial. Transformer. Oh, le team force dessus là. T'es où? Pourquoi tu prends pas de dégâts? Non, t'as pas le droit de te transformer. Ce serait bien que quand je le tue, il me donne un petit peu d'énergie. Allez, meurs, 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 s'il te plaît, meurs, 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 meurs. J'ai peur, j'ai peur. Allez, meurs, donne-moi de l'énergie. S'il te plaît. Oui, il m'a donné de l'énergie. Pas des masses, mais il en a donné. Allez. Aïe, oh putain de merde. Allez, meurs, 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 meurs. Allez, voilà. Ça va être chaud. Ça va être très très compliqué, mais on va plus loin déjà. C'est possible. Je vais y arriver. Tout dépend des prochains ennemis. On a c'est quoi? Il y a juste ces deux-là? Attendez. Ouais, ça va être traître là, parce que eux, ils sont rapides.
Oh, tu vas me lâcher, toi? Bon, on va se transformer. Parce que là, je veux vraiment pas prendre de risques. Et je fais de la merde. Allez, fais ton dash là. On bat les couilles. Wow. Ah, ils sont généreux avec moi là. Ils me donnent des trucs plutôt simples. À moins que c'est moi qui me débrouille bien, mais peut-être j'ai beaucoup de chance. En tout cas, au niveau de l'argent, ça donne pas mal. Ça devient intéressant. Là, on parle de choses sérieuses. Alors, voilà. Wow, bâtard! Pff, ouais, le truc qui sert à rien. Je sais pas trop comment je vais faire. Je suis mort. Je vais mourir. Wow. Waouh, barre-toi. Waouh. Putain. Bordel. Comment je vais faire contre cela? Bon. Le but là, ça va être de garder un maximum de santé sur le premier round. Parce que c'est lui le plus difficile. Hein. Enfin, pour le moment, je trouve que ça a été lui le plus difficile. Essayer de garder mes transformations pour ce round là. Là aussi, ça pourrait être la solution. Ah merde. Allez. Hop, toi dégage. Toi dégage. Et voilà, on a eu les trois. Donc là, le but, ça va être de ne pas prendre de dégâts, de se barrer, voilà. Mais non, 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 non. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Voilà, faut tuer ceux qui sont tuables, ceux en mode miel, là, on va les buter en transformé. Voilà. On va attendre qu'ils soient tous regroupés au même endroit. Allez, venez vers moi. Allez, bande de cons. Voilà. Ah, je pense pas que je n'ai pas le niveau... Je pense juste que faut que je me débrouille. Wow. Parce que c'est juste ceux-là qui sont chiants. Après le reste ça va. Il fallait mieux que je me transforme. Hein. Même pour un ou deux coups. Ah merde. Voilà. Bon, j'ai pas des masses d'énergie, mais j'en ai un petit peu plus que tout à l'heure. Allez, le freak, c'est chic. Hop. Alors, eux c'est simple. Je sais pas s'ils vont dasher vers moi. Oui, tout à l'heure ils l'ont fait. On va attendre qu'ils tombent, qu'ils courent sur moi, qu'on va les énerver un petit peu. Voilà. On leur chatouille les pieds. Je crois qu'il y en a un qui... Il s'est mis à courir. Bah non. Bon, c'est pas grave. On fait des petits dégâts. Voilà. On passe ni vu ni connu. Ah, je me disais bien que j'en avais vu un dashé.
Allez. Faut que je me casse, il y a l'autre qui arrive. Il y a le copain. Oui, il a encore dashé, cet idiot. Il n'aura même pas le temps de se transformer. C'est parfait. En plus, ils m'ont donné un peu de PV. Ah, faut pas que je les perde, ces PV. C'est vital. Autant les PV, oui, c'est vital. Allez. Wow. Il s'énerve, là. Il va dasher. Allez, cours, cours, cours. Maintenant, il se transforme. Oh, je suis le méchant. Wow. Bon, pas comme ça. Préviens-moi. Attention. Il est vraiment con. Voilà. Du coup, je me suis pas transformé. J'ai récupéré pratiquement toute ma vie. Donc là, le prochain, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Est-ce que c'est les trucs où j'ai perdu? Je ne sais plus. Ouais, c'est... Ah non, c'est pas ça. Il reste ces deux cons. Alors, je les ai eus tout à l'heure sans grande difficulté. J'ai pas pris de dégâts, ce serait bien de refaire la même chose. Je prends un peu de risque, hein, mais... J'aimerais bien les séparer, là. Ils sont un peu trop collés à mon goût. Voilà, toi t'as couru. Tu as couru vers ta mort, mec. Non, 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 non. Zéro, qu'est-ce que tu fais? Arrête, Zéro, tout de suite de faire des conneries. Voilà, on se casse, il ou l'autre. Coucou, monsieur. Hop là. Voilà. Et hop, hop, Orion. Je les ai prévenus pour le fait qu'on puisse mettre des avatars, mais je l'aurais pas... Enfin, je ne savais pas quelle résolution. Hop. Et donc c'est ici que j'avais perdu. Enfin, je croyais qu'il pleuvait chez moi, j'ai cru voir un orage, mais... Mais non. Wow. Bon. Là, il faut tuer quelqu'un. Absolument. À la rigueur, les deux poneys, là, les deux poneys man. Voilà. Lui, on va essayer de le gérer. Wow. Ça me fait penser à Darksider, comment il fait ses mouvements. Ouais, on va se transformer pour lui. Parce que le monsieur a l'air plutôt badass quand même. Hein. Allez. La puissance du spam. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, on se transforme pour pas prendre de dégâts. Allez, allez. Oui, j'ai pris un peu de dégâts, mais c'est pas grave. Je vais sûrement récupérer de la vie en le tuant. Voilà. Essaye de faire un peu de dégâts à son corps. Ça va être très compliqué, je pense, pour cette dernière quête annexe, parce qu'il y a quand même pas mal de combats et ils sont vraiment difficiles. Hop. Bon, là, ça, à mon avis, ça va être simple. Là, si c'est gratuit.
faut juste pas que je prenne de dégâts. Voilà. Faut pas que je reste sur place avec les bordels là. Hop. Pourquoi t'es pas mort toi, bordel? Voilà. Facile. Je sais pas combien il m'en reste. On va regarder ça tout de suite. Et plus j'en tue là, et plus j'ai la pression. Il en reste 4. J'espère que c'est la bonne. Hein. Ça me ferait bien chier de recommencer. Allez, toi, te laisser attaquer. Je vais voir un petit peu ton pattern. T'as l'air d'être un sac à PV, toi. Hein. On va reculer. Wow, wow. Bon, ça va être plutôt simple s'il fait tout le temps la même chose. Par contre là... D'accord. Hop. Non, 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 non. 0. Bon, ça va, il fait pas énormément de dégâts. Je vais me transformer pour pas prendre de dégâts parce que... Ça serait con de prendre des dégâts sur un monstre aussi simple. On va pas utiliser non plus toutes nos ressources. Voilà. Parfait. Et sans janter avec moi. Ah mais je vais être riche. Plus que 3. Je me demande ça va être qui les derniers. Sérieusement, y'a que ça? Y'a que lui? Viens là toi. J'imagine bien une des sœurs en dernier boss, mais... Je ne sais pas. Oh merde. Truc à tête chercheuse là. Oh mais arrête de faire tes trucs. C'est comment je vais t'avoir. Avec la meilleure arme du jeu. Voilà. Aïe. Oui je l'ai eu. Ah, Fort Boyard, je vous le dis. Faut que j'arrive à gagner un nombre de fric. Plus que 2. Oh, un petit Cerberus. C'est gentil, Cerberus. Cerberus, c'est facile. Là, il va faire son truc avec ses 3 têtes, ses 3 coups. Ah non, crache du feu en... Ah si. Voilà. J'attends qu'il crache du feu. Voilà. Et là, on attaque. Allez. On y retourne. Allez, là, il est dans une mauvaise posture. Oui, 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 oui. What? Ok. Il fait quoi là? Pourquoi il aboie? Crache du feu, hein? Tu veux pas cracher de feu. Hein? Tu
cru voir un truc là-bas. Ah, c'est sa tête. C'est vrai que c'était une caisse à PV. Ça aurait été sympa. Tu peux pas cracher du feu, s'il te plaît? Ça fait très mal, ouais. Allez, crache du feu. Voilà. Enfin, du feu. Pas vraiment du feu. Oh putain! J'espère qu'il va me donner de la vie. Ouais, il m'a donné un peu de vie. Oh bordel! Mais il m'a fait trop mal quoi. Il m'a donné 3 coups. Hein. Il m'a chatouillé les narines. Et le dernier. Sérieux? C'est lui le dernier truc? Oh, transforme-toi. Il a pas le même pattern. Il a pas du tout le même pattern, le monsieur. Oh, pourquoi j'ai cette arme? Transforme. Non, il est moins résistant. À mon avis, il fait beaucoup plus de dégâts. Wow, recule, recule, recule. Allez, je prends des risques là. C'est quoi ça? Putain, il récupère de la vie. Enfoiré. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de te soigner. Oui, il est par terre. Allez, allez. Putain. On a fini. On a fini. Les quêtes annexes. Bordel. Quitter l'arène, oui. Et je suis enchanté de la quitter, hein. J'en avais marre. Bordel. C'est qui disait tout à l'heure? Snipey, tu n'es pas au niveau peut-être. Le skill fait la différence, les amis. Donc, je vais voir si ça va, si on n'en a pas débloqué des nouvelles. Parce que ça se trouve, il nous en reste. Non. Mais à la rigueur, ce que je vous propose, c'est que je fasse un live. Voilà. On va juste faire salaire religieux, étant donné que voilà, les autres, on les a déjà vus. Salaire religieux, on ne l'a pas vu. On n'est pas obligé de le faire, mais on ne l'a pas vu, alors je vais la faire. Et ce sera donc, on va terminer sur une quête quotidienne, enfin une quête qui reviendra chaque fois qu'on jouera. Hop. Et ça fait du bien, ça fait un poids en moins au niveau du jeu. Là, il va nous rester que du scénario. Donc logiquement en 2 jours, enfin mardi et mercredi, le jeu est terminé si je stream ces jours-là. Après on retournera sur Tales of Grace F. Hop. Du fric. Ah ouais, Cerberus, allez, crash tes flammes. Voilà. Wow. Putain, comment il est arrivé, lui? Comme une flèche.
Allez, meurs, meurs, meurs. Là, c'est tout de suite plus facile, n'empêche. Hein. Allez. Voilà. Putain, j'aurais pu le tuer. Je sais pas pourquoi ça rame là. Ah, il y en avait deux après. De toute façon, c'est infini ça. C'est, enfin, infini. On a du temps, mais à mon avis, il y aura tout le temps des ennemis. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous aura plu, malgré qu'on n'ait pas vu de scénario, mais bon, on a fait une démonstration de skill quand même, là, c'était plutôt pas mal. Donc on a fait, pour le moment, toutes les quêtes annexes, mais étant donné qu'il nous reste le chapitre, enfin la dérivation, je ne sais plus combien, la D je crois, voilà, la dérivation D à faire, ça se trouve... on va débloquer des autres quêtes annexes, donc ce n'est pas totalement fini pour les quêtes annexes, je pense. Donc demain, si je live, je vous tiens au courant sur le groupe Facebook, mais oui, si je live, donc on fera du scénario, on fera la dérivation D. Donc j'espère que vous serez présents, et puis je vous dis à demain, 21h30 comme d'habitude, et vous faites gros bisous. Merci d'être là. Et à la prochaine. Bye bye tout le monde.